Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi soif que vous. Donc je ne vais pas être long. Merci de m'avoir accueilli. Il se trouve que depuis une bonne dizaine d'années, je lis à peu près tout ce qui concerne le climat. Je suis à l'Académie française, au fauteuil de pasteur, ce qui m'a conduit à apprendre un peu de science, et je suis sans arrêt fourré à l'Académie des sciences, ce qui fait que ma patronne, Hélène Cardancos, m'engueule tout le temps en, disant, en me rappelant que j'ai été élu à l'Académie française et non à l'Académie des sciences. Et franchement, ce que j'ai lu d'abord depuis le mois de janvier et ce que j'ai entendu ce matin, c'est d'un niveau dont je n'ai pas connaissance d'égalité. Égalité de débat, vive la démocratie, je l'ai vu ce matin, mais profondeur des sujets et diversité des sujets. Le sérieux des débats, le sérieux de ces travaux, l'extrême complexité, l'extrême diversité de la situation des agricultures, ça m'a vraiment passionné. Et vraiment, je regrette que ce genre de débat n'ait pas d'écho plus large. Les gens, ceux qui sont nourris grâce à vous, comprendraient ce qu'il en est jour après jour de se battre contre des contraintes de plus en plus difficiles. Alors, je vais être rapide. L'agriculture, c'est le pays du réel. Et l'agriculture, comme c'est le pays du réel, c'est le pays de la vie. Le pays de la vie, c'est le pays des métamorphoses. Et l'agriculture est le lieu des métamorphoses, vous avez toujours prouvé. Il se trouve que mon premier professeur d'agriculture, c'était Edgar Pisani. J'étais avec lui quand j'étais tout petit, puisque j'étais professeur d'économie des matières premières, et c'est lui qui m'a expliqué ce que c'était. C'est vous dire que ça ne m'a pas lâché. Et mon deuxième professeur, c'était Xavier. Puisque Xavier, on a fait l'Open Agri-Food, on l'a fait ensemble. J'étais avec lui au début et je partage cette émotion de le saluer aujourd'hui parce que j'ai vraiment travaillé avec lui, je vais vous dire, sur la question des compteurs dans la nappe phréatique de Beauce. Dès le début, chaud bouillant. À qui appartient l'eau? Alors, je vais vous dire un peu mon sentiment. C'est que le monde d'après, étant donné ce qui se passe et ce qu'on va apprendre demain ou après-demain, il se trouve que je suis relativement bien informé parce que je suis devenu ambassadeur de l'Institut Pasteur, ça ne va pas être facile. Et il y a une possibilité que ce soit pire qu'avant. Pourquoi pire qu'avant? D'abord, je vois très bien, et on les voit, les gens qui disent, étant donné que la situation économique va être mauvaise, c'est le moment de faire payer la nourriture de moins en moins cher. Et moi, je vais plus loin que Christiane sur cette affaire. Pour moi, de moins en moins cher, c'est aussi de plus en plus dangereux. Et qu'on ne peut pas... Comment, en plus, donner de la valeur à des gens qui vous nourrissent en les rémunérant de moins en moins? C'est un insupportable mépris. Et donc, le risque, il est là. Deuxième question, c'est que ce qui va se passer, c'est que les crises s'enchaînent et sont interdépendantes. Et que la crise sanitaire est liée à différentes transitions, notamment la transition climatique dont vous avez formidablement parlé. Donc, ce qui est absolument clair, c'est que la nature va être de plus en plus fragile, que les ressources en eau, l'eau qui est ma spécialité, vont être de plus en plus rares, et que donc la prochaine crise, je vous le dis, après la crise sanitaire, va être le grand débat sur l'utilisation de l'eau et le conflit des utilisations de l'eau. Donc, ça risque d'être encore plus tendu. Troisième point, dans des situations comme ça,
je le vis jour après jour avec angoisse. C'est que les gens sont dans le déni, ils veulent du simple, même si c'est faux. Et ils martèleront du simple. Et il y a une crise qui s'ajoute à la crise sanitaire, qui s'ajoute à la crise environnementale. C'est une crise qu'on peut dire intellectuelle, c'est-à-dire on se méfie du savoir. On se méfie de la recherche. Je ne sais pas si vous avez appris que 44% des Français, quand on aura trouvé un vaccin considéré comme fiable, reconnu comme fiable, refuseront de se faire vacciner. Ce déni du savoir, c'est une barbarie. Donc, ce qui veut dire que vous avez un troisième point d'inquiétude. Quatrième point d'inquiétude, c'est les contradictions. Je suis membre du Conseil d'orientation d'Action Cœur de Ville. J'y étais avant-hier. Qu'est-ce que c'est que ces injonctions contradictoires? Et après, on se demande pourquoi il y a des malaises dans la société. On vous dit d'un côté, on va saluer le cœur des villes, et en même temps, on va continuer à multiplier l'installation des hypermarchés en périphérie. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On veut la réalité des concurrences, et en même temps, on va signer le CETA et d'autres projets absolument incroyables. Pourquoi ? Au détriment de l'agriculture, parce que c'est d'autres secteurs de l'activité qui vont bénéficier de cette ouverture, alors que l'agriculture en pâtira. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai rien globalement, encore que de plus en plus, sur la notion du « en même temps », mais en même temps, ça veut dire des déchirures. Il faut savoir ce qu'on veut. Et gouverner, c'est choisir, c'est pas accumuler des contradictoires. Alors, je vais vous dire maintenant, rapidement. Premièrement, il faut qu'on se rappelle quels sont les métiers utiles. Je veux dire que c'est évidemment illusoire, mais non. On l'a su pendant un petit moment et on a applaudi les soignants. Mais avant d'être soigné, il faut être nourri. Parce que si vous n'êtes pas nourri, vous avez peu de chances d'être en bonne santé. Donc pourquoi on n'applaudit pas ceux qui nourrissent? Donc il y a des vrais problèmes là-dedans qui se passent, premièrement. Deuxièmement, l'extraordinaire diversité de l'agriculture. Il se trouve qu'un certain président de la République m'a fait venir et m'a proposé le poste de ministre de la Culture. Ça m'arrive de temps en temps et je dis non pour toutes sortes de raisons. Mais à ce président-là, je lui ai dit, j'accepterais si c'était le ministre des Agricultures. Et il m'a dit, mais pourquoi le pluriel? Quelque chose m'a dit en l'entendant qu'il connaissait mal le dossier. Et en allant plus loin, plus ça va, moins je suis jacobin. Alors, je ne suis pas d'accord toujours avec mes amis bretons, mais sur ce point-là, oui. C'est-à-dire que comment peut-on avoir ce réflexe de dire que, pour deux raisons, à Paris, on sait mieux. On sait mieux parce qu'on va économiser de l'argent. Et à Paris, on sait alors que les autres ne savent pas. C'est les deux grandes folies. Et je me suis battu avec ceux qui luttaient contre la volonté de l'État, de Bercy, de l'État, de recentrer à Paris la gestion de la politique de l'eau. Alors que les 6 agences de l'eau sont des modèles salués dans le monde entier. Donc cette question-là, de la bonne échelle que vous avez posée, et je pense que sur ce point-là, vous devez retravailler pour aller plus loin, quelle est la bonne échelle des transitions? Je suis comme vous, je pense que la région est un bon point, parce que c'est un bon espace de solidarité. Et j'ai participé à Saint-Brieuc à une rencontre qui m'a passionné, qui s'appelait la Brescop, c'est-à-dire la COP à hauteur de la Bretagne, où il y avait 1250 parties prenantes, et on disait, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Et c'était absolument passionnant. Donc, quelle est la bonne échelle? Donc, la bonne échelle, évidemment, c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a l'échelle de la région, il y a l'échelle de l'exploitation, etc., etc., mais n'oubliez pas, l'échelle régionale. Autre point, nous en avons déjà parlé, on n'est pas toujours d'accord avec Christiane, c'est l'exemple du bien-être animal. Je peux comprendre les agressions.
la réaction face à des agressions. Je peux comprendre la situation d'injustice. J'ai visité au moins 30 élevages et pas mal d'abattages depuis 2 ans, d'abattoirs depuis 2 ans. J'ai vu ça. Alors, je vais vous dire que ça a toujours été ma position vis-à-vis de Xavier, vis-à-vis de toi. Au lieu de se défendre bec et ongles, il faut proposer. Parce que si vous vous défendez bec et ongles, étant donné que c'est le grand flux de la société, vous ne serez pas entendu. Même si c'est injuste, c'est la réalité. Et puis, il y a des diversités de situations. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont encore intolérables. Donc voilà, et ça c'est, je vous dis ça en ami convaincu, en ami fidèle, mais en ami qui gardera sa liberté. Donc si vous n'avez pas des propositions sur ce thème, à mon sens, ça ne marchera pas. Dernier point, raconter. Alors évidemment, je parle de ma corporation à moi. Je nourris rien du tout, mais je nourris les gens qui veulent avoir des histoires. Donc racontez ce que vous faites. Les gens ne savent pas ce qu'est aujourd'hui les métiers d'agriculteur. Et je finirai sur ce point. Rien ne m'énerve plus que les gens qui disent, en prenant comme exemple l'agriculture, que c'était mieux avant. Ils ne savent pas ce que c'était avant et ils ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. Et avant de prendre un petit verre, je finirai sur un mot, puisque c'est ma charge d'académicien, le mot très simple, qui est le mot maintenant. Ça veut dire quoi maintenant ? Ça veut dire tenant la main, ce que je vous souhaite. Merci. Le cœur y est, vous avez compris.